Salut l'ami, on se retrouve pour la suite du guide achat montage d'une configuration informatique. La partie 1 étant dédiée au processeur et nous avions choisi ce modèle-ci, l'Intel Core i5 3570K. Nous allons passer à la partie 2 et choisir donc une carte mère compatible avec ce processeur pour continuer justement notre montage, enfin notre achat de configuration informatique. Et à la fin, on fera le montage tout à la fin. Donc voilà, c'est hardcore, donc Tuco pour les vidéos, hardcore pour la configuration informatique. Il faut que vous vous souveniez de ça, c'est marrant. C'est un nom pour chaque chose que je fais. Et donc là, tout ça, c'est hardcore qui vous le présente et non plus FHC Tuco comme à l'accoutumée, on va dire. Donc voilà, on va se mettre de la musique. Étonnamment, on va mettre une musique que vous ne connaissez absolument pas. Et donc on est reparti. Alors Intel Core, donc j'ai dit 3570K, donc c'est un modèle K, donc il faudra faire en sorte que notre carte mère soit compatible avec les modèles K. Il faudra faire en sorte que notre carte mère soit compatible avec les i5. Et il faudra faire en sorte que notre carte mère soit compatible avec le socket 1155. Donc on va procéder dans l'ordre. Hop, on va revenir en arrière, parce que j'avais déjà fait mon choix. On va même revenir en arrière, parce que j'avais déjà fait mon choix. Donc vous vous retrouvez dans composants, carte mère. Vous cliquez, vous arrivez ici. Sous Top Achat, hein, on retourne sous Top Achat. Vous allez sélectionner donc carte mère socket 1155 puisque ça correspond à ce que vous voulez. Donc là vous avez plusieurs cartes mères. Vous en choisissez une admettons au pif. Donc par exemple celle-ci. Vous allez dans descriptif produit, vous descendez. D'ailleurs non, on va peut-être plus aller dans fiche technique. Cette carte mère en effet supporte les Intel Core i7, i5 et i3. Donc notre carte mère à nous, enfin cette carte mère là, tolérerait notre processeur. Donc pour l'instant tout est bénef. Alors il y a juste un truc, c'est que. Ah bah si, je vais peut-être faire avec cette carte mère là. Je l'avais fait avec une autre au départ, j'avais fait un petit essai avec l'autre, mais en fin de compte, je pense que je vais le faire quand même avec celle-ci en fait. Donc ouais, on va le faire avec celle-là. Parce que en fait, il y en a certains, je vais vous faire voir quand même, certaines cartes mères. Voilà, bon, s'ils ne le précisent pas, c'est que normalement c'est bon. Et dans le doute, vous pouvez toujours demander au service après-vente si c'est le cas. Mais si ça supporte les i5, les i7 et les i3, c'est que c'est une carte mère haut de gamme et que normalement elle devrait prendre en compte le modèle K. Mais, donc on va aller par exemple sur cette carte mère là, dont je voulais faire le test au début. Compatible avec les processeurs débloqués Intel K-Series. Donc le modèle overclocking. Le modèle dédié à l'overclock. Donc voilà, donc là c'est précisé. Sur celle-là qu'on a choisie, ça ne l'est pas. Ma foi, c'est pas grave. Je suis réellement convaincu qu'elle va prendre en compte justement le modèle K. Donc on va faire un très rapide tour pour vous apprendre. Comment dire? Pour vous apprendre comment. Ah puis ça m'énerve. Non, je vais fonctionner avec deux en fait. Je vais fonctionner avec deux cartes mères. Parce qu'elle est moins complète que l'autre quand même. Hein. Donc. On va ouvrir celle-là. On va ouvrir celle-là. Ça, on va le fermer. On va repasser dans celle-là. Donc. Très rapidement, l'emplacement dédié à votre processeur. Donc c'est le socket, c'est ici que va venir se loger votre processeur, et c'est ce socket là qui doit être en 1155, d'accord? Autour, c'est les phases d'alimentation dédiées à veiller à la tension, réguler la tension avant de l'envoyer au processeur, et les dissipateurs thermiques éventuellement chargés de refroidir tout ça. Donc voilà, vous avez ici la broche qui sert à alimenter en énergie le processeur. Donc ça, là c'est un 8 pins, mais sur des modèles plus bas de gamme, vous aurez qu'un simple 4 pins par exemple. Là c'est un 8 pins parce que c'est des processeurs assez costauds qui ont besoin de beaucoup d'énergie. Donc voilà. Vous avez ici la partie qui va servir à accueillir vos modules RAM. Donc on appelle ça aussi des barrettes de RAM. Donc voilà, enfin je vous expliquerai après ce que c'est quand je serai dans le. C'est la mémoire en fait, c'est la mémoire de votre ordinateur. Donc je vous expliquerai quand on sera rendu dans la partie mémoire qui viendra plus tard. Vous avez ici l'emplacement qui réceptionnera votre carte graphique. Donc là encore, je développerai quand je serai dans la partie chapitre graphique du montage informatique. Là, vous avez un emplacement qui abrite une puce qui s'appelle le chipset, qui est une puce qui est extrêmement importante, qui est la puce maîtresse en dehors de votre processeur que vous achetez à part. Le chipset, lui, il peut pas se démonter. Donc c'est une partie qui est fixée, qui est soudée à la carte mère. Et donc il est très important de veiller à ce que lorsque vous choisissez une bonne carte mère, vous choisissez un chipset relativement récent et ouais, récent quoi. Voilà, récent et efficace en fait. Donc vous pouvez vous renseigner, quand vous aurez le nom du chipset, vous pourrez vous renseigner sur Google en cherchant, par exemple, votre chipset, c'est Intel P67, parce que sur cette carte mère-là, c'est ça. Donc vous pourrez très bien aller chercher sur Google, qu'est-ce que le Intel P67 chipset. Voilà, vous en saurez plus.
Après, donc là, vous avez toutes les connectiques ici qui servent à l'USB, les lecteurs de disquettes, les lecteurs de... Si jamais vous avez, par exemple, des cartes SD pour vos appareils photo, blablabla, bla, 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 USB 3, USB, USB 2. Vous avez aussi vos branchements pour le power, donc de votre boîtier. Quand vous avez votre boîtier, vous avez des fils qui partent de votre boîtier qui correspondent à la prise casque, la prise audio, les premières prises USB qui vont venir se remettre là, comme je disais, et les prises power et reset. Donc ça, c'est pareil, ça se branchera aussi. Donc ça se branchera probablement là-haut, je pense. Bref, c'est par là. Là, vous avez des extensions, donc c'est des PCI. Donc là, vous avez un PCI Express 2.0 16X. Là, vous avez des PCI, des PCI. Là, vous avez des PCI Express 1X. Et ça, c'est encore d'autres choses. Je peux pas tout détailler maintenant, on en reparlera en temps voulu. Là, vous avez la très grande broche qui sert à alimenter en électricité tous les composants de votre carte mère. Et donc, c'est l'ATX 24 broche, ça s'appelle. Donc voilà. Donc ça, c'est un tour très rapide de votre carte mère. Donc maintenant, on va retourner sur l'autre modèle, qui est légèrement différent. Déjà, vous avez que... On les voit mal là, parce qu'ils sont noirs. Mais vous avez que deux slots pour les barrettes de mémoire. Alors que sur l'autre, vous en aviez ici 4. Donc voilà. Là, vous avez qu'un seul... vous avez un port pour une carte graphique. D'ailleurs, qui est meilleur que l'autre. Parce que là, c'est un PCI Express 3.0 16X. Contrairement à l'autre qui était un 2.0 16X. Donc ça, c'est le port pour votre carte graphique, comme je le disais. Au milieu, là, vous avez toujours l'emplacement pour votre processeur qui sera là aussi en 1155, comme on avait fait pour notre processeur. Vous avez toujours les phases d'alimentation qui sont autour, sauf que ce coup-ci, elles n'ont pas de dissipateur thermique pour les refroidir ni rien. Donc voilà. Là, vous avez l'emplacement du chipset caché sous un dissipateur thermique chargé d'en évacuer la chaleur. Alors quand je dis dissipateur thermique, en fait, c'est tout ce qui... En fait, les dissipateurs thermiques, je vais vous le montrer là-dessus. En fait, c'est des grosses pièces de métal qui ont été rajoutées par-dessus, avec des fois des caloducs. Donc des caloducs, c'est des tubes comme ça, là. Et c'est chargé en fait d'absorber la chaleur en attendant de la diffuser à l'air libre. En fait, ça marche comme un... ça, c'est ce qu'on appelle un radiateur. Faut pas croire qu'un radiateur, c'est quelque chose qui sert à chauffer, forcément. Un radiateur, c'est quelque chose qui sert à faire un transfert d'énergie, donc un transfert en gros de température, entre une surface métallique, la plus grande soit-elle, pour pouvoir justement avoir une très grande puissance, une très grande performance de transfert calorifique. Parce que c'est des calories, hein. L'énergie, c'est des calories. Et donc on parle de transfert calorifique. Donc en fait des dissipateurs thermiques, ça sert, et donc des radiateurs en fait, ça sert à soit à réceptionner la chaleur, soit d'une manière ou d'une autre à diffuser de la température, voilà, à effectuer un transfert de température tout simplement. Donc vous pouvez très bien chauffer, enfin faire circuler un liquide chaud comme vous avez chez vous dans vos radiateurs au vu de réchauffer l'air, mais vous pourriez tout à fait par exemple, et ça s'appellerait là aussi un radiateur, faire circuler de l'air, du liquide hyper froid, par exemple un azote liquide si on pouvait le faire, dans vos circuits de radiateur pour refroidir votre pièce. C'est-à-dire c'est pas forcément dans un but de réchauffer en fait un radiateur. Un dissipateur thermique, ça sert à effectuer un transfert d'énergie. Et là c'est ça qui est cherché en fait. C'est-à-dire que les dissipateurs thermiques qui sont mis sur les cartes mères, que ce soit là ou sur la belle carte mère que je vous ai fait voir là, ça sert non pas à réchauffer votre pièce, mais ça sert à évacuer toute la chaleur qu'émettent vos composants. Donc voilà. Ça, c'était une petite parenthèse pour expliquer, parce que souvent les gens mélangent tout, ils disent ah, radiateur sert à chauffer, naninana. Donc voilà, c'est ça, et c'est pour ça d'ailleurs que j'emploie très peu radiateur, parce que ça induit les gens en erreur. Je préfère utiliser dissipateur thermique, donc qui sert à dissiper thermique, donc la température, la chaleur en fait, émise par les composants. Donc voilà, bref, ça c'était la petite parenthèse. Vous avez ici les branchements SATA, donc c'est ce qui va servir à brancher vos disques durs. Attends, on était... Ah oui, voilà, c'est ça. Ils m'ont pas mis celle que j'aimais bien. Merde. Ah oui, c'est vrai que ça change un peu n'importe comment. Bon, c'est pas grave, ça va être fait. Qu'est-ce qu'on va se mettre ? On va se mettre Samurai Shuriken. Donc ça, Shuriken, c'est le leader du groupe IAM, un très vieux groupe de rap. Et là, j'ai mis... j'ai pas mis instru. Instrumental. Et donc, je veux juste l'instrumental parce que voilà, les paroles, c'est un peu plus cher. Donc voilà. On retourne là où on en était. D'ailleurs, je crois que j'en étais là. Ça, c'est les prises SATA. Donc, c'est ce qui correspond pour vos disques durs, SSD et tout ça, à brancher. Donc, il faut que vous bénéficiez des dernières normes lorsque vous choisissez votre carte mère. Et donc, je vais vous le faire voir après. Donc, voilà. C'est à ça que ça correspond. Avant, c'était de l'IDE. Donc, c'était des grandes nattes. Ça ressemblait un peu. D'ailleurs, ça doit être un IDE, ça. Ça ressemble à ça. C'est ça, un IDE. En fait, c'était ça. Donc, c'était une très, très grande broche que vous mettez. Et il y avait un bandeau qui était aussi large que la broche, qui était d'une extrême longueur et que vous branchiez. Enfin, voilà. Bref, c'est pas intéressant. Voilà, c'était ancien, on va pas retourner à l'ancienne. Donc voilà,
Donc là, il n'y a que deux barrettes, votre processeur en 1155 comme on l'a dit, le chipset, la partie graphique, tout ce qui va être power, USB et tout ça vient se brancher ici. Et là, vous avez, on les voit très très mal mais en noir, vous avez aussi deux ports SATA, très probablement de la dernière norme, c'est-à-dire SATA 3, 6 gigabits à la seconde. Donc voilà. On va passer vite fait à l'arrière pour vous faire voir. Donc vous avez ici le souris clavier, d'accord ? Vous avez, d'ailleurs il n'y a même pas d'USB 3 sur cette carte mère. L'USB 3, donc je vais le faire voir, USB 3, c'est des ports qui sont bleus. Donc ils sont plus performants que les USB 2, d'accord ? Donc là, si vous venez regarder ici, vous n'en avez pas sur celle-ci d'USB 3. L'autre en a, celle-là n'en a pas. Par contre, vous avez 6 USB 2. Après, il ne faut pas rêver, hein, si vous n'êtes pas quelqu'un qui est, je sais pas comment dire, faut vraiment avoir l'utilité d'avoir vraiment très souvent des transferts à faire sur une clé USB ou autre naninana pour vraiment s'apercevoir en effet sur des films par exemple extrêmement longs ou des choses comme ça, vous finirez par vous rendre compte qu'en effet il y en a un plus rapide que l'autre. Mais si c'est pour transférer 3 photos tous les 2 jours, c'est pas la peine. Je veux dire, vous vous satisferez très bien de l'USB 2. Enfin bref, souris clavier, USB 2 il y en a 6, DVI, VGA, donc qui sont deux prises pour les écrans en fait. Donc selon ce que vous avez, vous utilisez l'une ou l'autre. VGA est plus ancien, DVI est légèrement plus récent de mémoire, bien que les deux soient relativement anciens. Vous avez ici le port Ethernet. Donc vous verrez lors de l'achat de votre carte mère à faire en sorte qu'il soit le plus efficace possible, le plus performant possible. Et enfin la partie dédiée à l'audio et au micro. Donc voilà. Maintenant on va descendre. Alors avant d'aller dans les fiches techniques, je vous conseille, d'ailleurs c'est valable pour plus ou moins tous les composants, mais c'est d'autant plus vrai pour les cartes mères, de faire un tour dans descriptif produit. Vous aurez ici des choses qui vont vous marquer parce que c'est des nouveautés dont ils sont eux fiers et donc qu'ils mettent en avant et qui sera moins marqué ou qui sera marqué dans les technologies après, dans le fiche technique, mais en vrac. Là au moins ils vont vous marquer en premier ce dont ils sont fiers. Overclock Genie 2. Donc Overclock, on avait choisi un modèle K, donc qui est overclockable, et là ils vous mettent Overclock Genie 2. OC c'est ça, c'est Overclock. Détection intelligente de la configuration, overclocking automatique du CPU et de la mémoire en une seconde. Donc en fait vous aurez un simple bouton, vous appuyez sur ce bouton là et à partir de là ça va pousser toutes vos performances, c'est à dire votre fréquence processeur, vos temps, enfin ça va pousser vos tensions, vos fréquences, ça va tout mettre au delà de ce que normalement votre processeur est prévu pour, si je puis dire ça comme ça quoi. Enfin il est évidemment prévu pour si vous pouvez le faire, mais si vous voulez quand vous l'achetez il est bridé à telle performance qui sont déjà relativement efficaces, et l'overclocking c'est d'aller toujours au delà de ce qu'il a été prévu au départ, on va dire ça comme ça. Et donc là en un simple clic vous aurez tout ça qui va être démesuré sans que vous ayez besoin de faire de paramétrage vous-même, à tout régler vous-même. Donc c'est très bien en fait de faire un petit tour du descriptif produit, comme ça vous apprenez des petites choses avant même d'avoir été dans votre fiche technique, voir vraiment ce qui vous intéresse. Donc voilà, après vous regardez un peu tout, vous vous intéressez à ce que vous pouvez voir et tout ça. Une fois que vous avez vu tout ça, vous allez dans fiche technique ce coup-ci. Vous vérifiez bien que votre carte mère en LGA, alors LGA c'est pas tout le temps marqué, mais en 1155, elles sont en 1155, donc du coup ça y est avec le processeur que vous avez choisi. Vous vérifiez bien que ça supporte le type de processeur que vous avez choisi, donc le i5, et donc voilà. Là vous avez le nom du chipset, donc c'est la puce qui est, donc je vous l'ai dit, en dessous le dissipateur thermique gris ici. Vous avez son nom, donc vous pouvez très bien le copier-coller sous Google et aller chercher quelques spécificités, savoir qu'est-ce qu'il apporte de nouveau par rapport aux anciens chipsets et ainsi de suite. Alors non, qu'est-ce qu'on va se mettre Ah ça c'est pas mal. Et c'est dommage, il n'y a pas l'instrumental. Ah, donc on va pas mettre en fait. Qu'est-ce que je peux mettre moi? Instrumental de Still Dre, qui est une très vieille musique de l'album de l'album Still Dre de Dr. Dre, qui était un album qui est sorti en 2001. Donc voilà. Ça c'est juste une instru de la musique qui a été la plus qui était la plus connue. Alors là, je vais vous faire voir après la différence entre cette carte mère et l'autre, parce que l'autre carte mère permettait plus d'aller loin dans les performances en fait. Il y avait certains défauts sur l'autre carte mère, mais sur celle-là aussi. Donc, ce qu'il va vous falloir vérifier après, c'est ce que vous avez besoin. Et c'est pour ça que j'ai hésité à mettre la carte mère plus ou moins tout à la fin après avoir vu avec vous tout le reste. Mais en fin de compte, c'est bien de le voir maintenant parce qu'il faut quand même que ça colle au processeur et tout ça. Enfin bref. Donc là, ils disent que vous pouvez mettre que 2 fois DIM. Alors DIM c'est le format de la mémoire, hein. On va parler de la mémoire, donc des parties qui vont se mettre ici c'est des barrettes en fait. Donc là vous pourrez en mettre que 2, contrairement à l'autre où vous pouvez en mettre 4. Vous pourrez mettre que de la DDR3, donc ça sera, il va falloir que vous vous en souveniez dans celui-là.
et vous pourrez mettre que de la 1333 MHz ou que de la 1066 MHz. Ça ne supportera pas des fréquences supérieures. Or, de mémoire, là c'est pas marqué, mais de mémoire, votre processeur, c'est pas marqué, votre processeur, le i5, en modèle K, il va supporter encore au-delà. Donc il va supporter 1600 MHz sans overclocker. Si vous overclockez, vous pourrez mettre des performances encore supérieures. Mais là c'est votre carte mère qui va vous brider si jamais vous voulez monter au-dessus. D'accord ? Donc là je vous fais voir avec celle-ci. Mais en fin de compte, l'autre, si on va voir l'autre. Fiche technique. Alors oui, c'est vrai que c'est très mal fait par contre. Hein. Donc là, vous pouvez mettre 4 fois DIM. Alors DIM, encore une fois, c'est la forme du module. Hein. Vous avez des il y a les sauts DIM. Donc quand vous avez marqué SO DIM avec un SO devant le DIM, ça veut dire que c'est des cartes, des barrettes de mémoire pour les ordinateurs portables. Donc faut pas se planter. Donc faut prendre de la DIM. DIM, c'est les modules pour les ordinateurs fixes. Donc voilà, DIM. DDR3, c'est l'avant-dernière norme. Maintenant on est à la DDR4, mais DDR3 c'est déjà relativement puissant. Et donc c'est là aussi ce qu'il va vous falloir. Donc quand vous achetez très vos barrettes de mémoire, il faudra que vous veilliez à ce qu'elles soient en DDR3. Et là vous allez remarquer que contrairement à l'autre qui se contentait que des deux premiers là, 1066 et 1333 MHz, cette carte mère là peut pousser le vis, c'est-à-dire déjà elle peut se mettre au même niveau que votre Intel Core i5, parce qu'avec l'autre carte mère vous allez brider votre i5 à cause des barrettes de RAM. Votre i5, si on peut regarder ailleurs, hein, je pourrais vous le mettre sous Google, mais il supporte cette fréquence là. Donc là, ce serait dommage de s'en priver. Donc par rapport à ça, je vous conseillerais déjà de prendre cette carte mère là, parce qu'elle supporte ça. Et en plus, comme vous aviez un modèle K, donc qui est dédié à l'overclocking, et si vous voulez overclocker, vous pouvez encore aller au-delà, c'est-à-dire aller à 1866 MHz dans vos barrettes, voire à 2133 MHz, support maximal que tolère cette carte mère là, mais qui est une fréquence très très élevée, et donc vraiment efficace. Donc on va retourner là parce que c'est plus clair. Enfin là, pardon. Donc on retourne là. Capacité maximale de votre carte mère, c'est 16 gigas. Franchement, vous n'avez pas besoin de 16 gigas. À l'heure actuelle, en 2015, vous déjà avec 8 gigas, vous êtes large. Avec 8 gigas, vous êtes large. Pour faire éventuellement, je parle du jeu vidéo et tout. Hein. Si vous en faites un but professionnel, déjà ces vidéos-là sont pas faites pour vous si vous commencez à avoir but professionnel. Et à ce moment-là, selon ce que vous faites dans votre domaine professionnel, vous pouvez atteindre des sommets en termes de capacité mémoire dont vous avez besoin. Architecture mémoire dual channel. Alors c'est moins criant sur cette carte mère là, mais je vais vous le faire voir sur l'autre. Là c'est pareil, c'est du, de mémoire c'est aussi du, ils les mettent pas, alors 32 Go, donc là déjà c'est là, on supporte deux fois plus de capacité que l'autre d'avant. Donc voilà, c'est pas marqué. Enfin bref, celle-là aussi c'est du dual channel. Et dual channel ça veut dire quoi? Ça veut dire que si par exemple vous achetez une seule barrette mémoire, vous la mettrez sur le premier port. Le premier port c'est toujours celui qui est le plus proche du processeur, d'accord? Donc si vous en achetez qu'une, parce que vous avez le droit d'en acheter qu'une, vous la mettrez là et elle sera prise en compte. Par contre, si vous en achetez, admettons, deux barrettes, de 2 x 2 Go ou 2 x 4 Go par exemple, vous allez mettre la première sur le port numéro 1, et contrairement à ce que les idées pourraient croire, parce que c'est dans l'ordre, hein, c'est port 1, 2, 3 et 4, d'accord, en descendant. Et contrairement à ce que l'on pourrait croire, vous n'allez pas mettre la deuxième barrette sur le port numéro 2, vous allez la mettre en dual channel, donc c'est-à-dire ils l'ont mis en couleur pour bien que ça se voie, d'ailleurs c'est souvent le cas sur les cartes mères, vous allez le mettre sur l'autre port qui dispose de la même couleur, parce que ça va marcher en dual channel, c'est comme ça, les cartes mères sont faites comme ça, vous obtenez, alors je crois que c'est parce qu'ils en tirent un certain profit, je sais pas pourquoi, hein, je sais pas comment c'est foutu, et puis scientifiquement parlant, c'est pas le but, comme encore une fois le but il est d'être débutant, mais donc du coup il faudra pas le mettre sur le deuxième, il faudra le mettre sur le troisième, tout simplement, voilà. Donc, alors après je pourrais rentrer dans d'autres détails encore plus compliqués, mais là encore c'est pas le but. Donc on va éviter. Hop, je vais peut-être descendre ça un peu. On va revenir là. Hop là. Donc voilà, dual channel, ça veut dire qu'il faut que vous mettiez sur le slot 1 et sur le slot 3, et non pas sur le slot 1 et sur le slot 2 si vous avez que deux barrettes. Si vous en avez 4, de préférence prenez les pareilles et mettez-les toutes ensemble, enfin mettez-les dessus sans vous prendre la tête, quoi. Juste voilà quoi. Après, si jamais par exemple vous achetez un jeu de 2 barrettes, avec une certaine fréquence, par exemple, admettons, hein, je vais dire une connerie, hein, 1866, à qu'après, vous en avez deux autres, admettons, de, par exemple, 2133. Vous mettez les 1866 sur les deux bleus, par exemple, et vous mettez les... Enfin, vous mettez quand vous mettez les deux sur les mêmes couleurs et les deux autres sur les deux autres mêmes couleurs. La seule chose, c'est que votre carte mère, elle bridera forcément à la fréquence la plus basse. Donc, même vos modules mémoire qui seront élevés,
se mettront à la même fréquence que celles qui sont plus basses. Donc voilà, ça vous mettra tout au bas. Mais voilà, enfin, ça peut arriver aussi, ce genre de détail. Donc c'est toujours le truc, c'est de surtout pas mélanger par exemple une 1866 avec une 2133 en mettant une 1866 ici et une 2133 ici. Respectez le code couleur, respectez le dual channel. Donc voilà. Donc après, on va retourner sur l'autre qui est plus simple. Voilà, donc là c'est beaucoup plus clair, hein, c'est beaucoup mieux marqué. Donc ça, c'est ça, dual channel, donc c'est ce que je vous expliquais. LAN, Realtek, naninana. Donc là déjà, on peut remarquer que c'est pas un gigabit Ethernet. Donc ça, c'est LAN en fait, c'est votre port Ethernet. Donc c'était le port qui était ici. Donc c'est là où c'est pour alimenter en réseau en fait. Voilà, on va se mettre plutôt là. D'ailleurs, on va. Hop là. Bah mince. Alors, donc ça c'est pas un, là comme en fait c'est pas un gigabit Ethernet. Gigabit Ethernet c'est quand vous avez encore un slash avec marqué 1000. Par exemple cette carte là, voilà, PCI x 1 nanana, LAN gigabit. Gigabit c'est parce que vous atteignez le giga et le giga c'est bah c'est 1000 mégabits en fait par seconde. Donc à partir du moment où vous êtes à 1000 mégabits par seconde, vous avez un gigabit Ethernet. Et gigabit Ethernet c'est vraiment important parce que c'est une très très grande puissance de transfert en fait. Donc de préférence, encore une fois, je vous recommande plus ou moins cette carte mère là par rapport à l'autre d'avant. Bien que quand on regarde les avis, elle n'est que 3 avis et la moitié des étoiles, alors que l'autre au final, si vous regardez bien, elle a 11 avis et quasiment toutes ses étoiles. Mais bon après, encore une fois, c'est dans l'idée, hein, parce que de toute manière, c'est pas ce que vous achèterez. Mais bon, c'est pas grave. Donc on va retourner sur celle-là qui est plus claire. On descend. Donc ensuite, vous avez un PCI Express 3.0 16X sur cette carte mère là. Et c'est là l'avantage parce que l'autre, elle est moindre. Sur celle-ci, vous avez un PCI qui est aussi en 16X, mais c'est un PCI Express 2.0, donc moins performant. Et là, vous avez un 3.0 16X, donc plus performant. Voilà. Ensuite, vous avez une fois PCI Express 1X. Donc il est où? Ah, il est en noir, on le voit pas beaucoup. Dès que c'est en noir, on les voit pas beaucoup. Il est juste ici en fait. C'est un autre, c'est pour brancher des cartes additionnelles. Donc vous en avez plusieurs qui sont désignées à plein d'utilisations. Mais donc voilà. Et sur l'autre, je suppose que vous en aurez plus. Voilà, là, des PCI Express 1X, vous en avez un, vous en avez deux, vous en avez trois. Et vous avez aussi des PCI Express classiques en plus. Donc vous voyez, vous avez quand même plus de possibilités sur cette carte-là que sur l'ancienne. Ça dépend après ce que vous voulez faire tout simplement. Disons qu'il y en a une qui est plus récente que l'autre aussi, il faut dire. Après, vous avez stockage. Donc ça, c'est pour brancher les disques durs. Vous avez 4 fois SATA 2. Donc les SATA 2, d'ailleurs, on les voit très mal, hein, parce que je les vois pas, les deux autres. Alors, je sais pas. Hein. SATA, c'est là, on en voit 2. Et apparemment, ça doit être peut-être que les deux autres sont là. Hein. C'est mal foutu. On va aller voir sur l'autre, c'est plus clair. Donc là, les SATA, vous en avez 6 ici. Et là, c'est pas des SATA 2, mais des SATA 3. Donc là, vous avez 2 SATA 3, 6 gigabits seconde. Et vous avez 4 SATA 3, enfin 4 SATA 2, pardon. Enfin oui, voilà, donc c'est ça en fait. Vous avez deux SATA 3, donc dernière norme en 6 gigabits seconde. Et vous avez la norme d'avant qui était donc 4 SATA 3, 4 SATA 2 en 3 gigabits à la seconde. Putain, c'est pas facile à dire tout ce genre de trucs. Donc privilégiez toujours d'avoir les dernières normes si vous pouvez. Après, ça coûte plus cher évidemment. Mais par exemple, dernière norme de DDR, c'est la DDR4. Dernière norme de SATA, je crois que c'est le SATA 3, 6 gigabits seconde. Dernière norme d'USB, c'est l'USB 3.1. Dernière norme, je crois, d'Internet, c'est le gigabit, comme on l'a mis, voilà. Et dernière norme de PCI Express, c'est le PCI Express 16X en 3.0 16X, il me semble. Donc, alors après, je peux dire des bêtises et ça a peut-être changé depuis, mais on ne doit pas être loin de la réalité dans ce que j'avance. Donc voilà, essayez d'avoir tout le temps le maximum, mais après, par exemple, là, bon, bah, vous n'avez pas le choix, avec le processeur que vous avez choisi, vous n'avez pas le choix que d'avoir de la DDR3, c'est comme ça, c'est pas autrement. Et limite, c'est mieux parce que ça vaut très très cher la DDR4. Donc voilà. Donc 4 SATA 2, donc on est à la norme qui n'est pas la dernière, mais ça pourrait suffire pour une utilisation quotidienne, on va dire. Encore une fois, si vous ne faites pas dans le RAID, je ne vous explique pas ce que c'est trop long. L'audio, donc vous avez Realtek, audio 8 canaux flexibles, autosens, conforme, machin, nanana, donc vous pouvez vous renseigner sur ce que c'est, mais ça reste correct, quoi. C'est pas un son extraordinaire, mais c'est déjà du son de base, quoi, on va dire. Après, vous pouvez toujours ajouter une carte son additionnelle dans votre ordinateur. Port USB, donc 8 fois port USB 2.0, 6 sur panneau arrière et 2 internes. Donc vous avez deux directement qui sont branchés dedans et qui vont se brancher sur votre... qui sont sur la carte mère. Alors c'est pareil, où ils sont, j'en sais strictement rien. Ah bah ça doit être celui-là. USB 1, interne, USB 2. Alors là, ça veut pas dire que vous pouvez brancher votre clé directement là-dessus. Hein. C'est qu'en fait, vous avez des câbles qui viennent de votre boîtier, hop, que vous allez venir brancher là-dessus.
Et après, sur votre boîtier, en façade, vous aurez par exemple deux ports USB supplémentaires. Faut pas rêver, vous branchez pas votre clé directement là-dedans. Hein. Donc voilà, je préfère rester clair. Donc voilà, encore une fois, l'USB 2, c'est la version, c'est la norme d'avant. Donc c'est moins performant que l'USB 3. Tout comme le SATA 2 est moins performant que le SATA 3. Donc voilà, je tiens à vous le dire quand même. Format, alors ça c'est très très important, format micro ATX. Alors faut savoir qu'aujourd'hui, on va faire très simple, on va faire très large, on va faire très général. Il y a en gros ATX, donc qui est le classique, vous avez l'ATX, vous avez le EATX qui veut dire extra ATX, c'est-à-dire être encore plus grand que l'ATX. En fait, c'est les dimensions de la carte en fait, hein, c'est la taille de votre carte mère. Donc quand vous choisirez votre boîtier, il sera très important que vous veilliez à ce que la carte mère rentre bien dans votre boîtier, tout simplement. Mais ça, je vous l'expliquerai plus tard. Donc vous avez ATX, vous avez extra ATX, vous avez MATX qui veut dire micro ATX, donc qui est une ATX mais en plus petit, et vous avez le mini ITX, et c'est encore plus petit. C'est vraiment tout tout petit, hein, le mini ITX. Donc ça, non. On va se mettre... On va se mettre ça, c'est très bien. Hop, M&M, Lose Yourself. Alors regardez les titres, hein, parce que je le dis pas forcément, mais voilà. Interface arrière, je vous ai déjà dit ce que c'était. Donc vous savez qu'il y a l'audio, le DVI, comme je vous l'ai dit, le VGA, les USB, et le RJ45. Donc RJ45, c'est le port Internet. D'accord. Alors, 4 connecteurs SATA 3. Ah oui, c'est laquelle celle-là? Qu'est-ce qu'il raconte, lui? Il nous dit SATA 2 et SATA 3. Donc déjà, ils ont fait une erreur. Donc ça, c'est bien aussi, il y en a qui ont fait une erreur. Donc ils disent 4 connecteurs SATA 3. Gigabit à la seconde, alors que quand vous montez plus haut, vous voyez stockage 4 fois SATA 2. Donc en fait, faudrait qu'ils se mettent un peu d'accord. À mon avis, je pense que du coup, ils ont dû se planter. Ça doit réellement être du SATA 3, je pense. Si on allait chercher ailleurs sur un autre, dans le doute, quand vous avez un doute comme ça, faut pas hésiter, hein, à regarder. Je découvre ça en même temps que vous, ça m'a choqué. Mais si jamais vous avez un doute, vous allez sur Internet. D'ailleurs, on peut le faire, hein, éventuellement. Donc c'était MSI, on va copier-coller. On va le faire ensemble. Je vous fais voir comment on fait fonctionner, en fait. Quand vous avez des questions, quand vous avez un doute, on va aller par exemple, tiens, on va aller sur un autre site que je déteste et avec qui j'ai eu des gros problèmes, donc on va aller chez eux. Merci les amis. Donc eux, ils vont nous le dire. Hein. Ah voilà, donc eux, ils disent, c'est bien du SATA 3. 4 fois SATA 3, 6 gigabits seconde. Ah non, Serial ATA 3 gigabits seconde. Donc c'est du SATA 2. Donc en fait il n'y a pas de SATA 3. Donc en fait ils ont menti. Enfin ils se sont trompés. Donc en fait non, c'est du SATA 2. J'aurais cru que c'est du SATA 3. Ah ben non. Donc voilà, on a la réponse. Donc ils se sont plantés. Donc en fin de compte c'est les... Ah mais non, non c'est moi qui lis mal. Ah pardon, excusez-moi. Donc j'ai vu SATA 3. Mais en fait ils auraient dû préciser SATA 2. Et après 3 gigabits seconde plus loin. Là j'ai vu 4 SATA 3. Non. Donc voilà, donc c'est du SATA 2. Excusez-moi, autant pour moi. C'est une mauvaise lecture de ma part. Donc en fin de compte c'est du SATA 2, c'est normal. Une fois connecteur, ventilateur, CPU, 4 broches. Donc ouais, parce que sur chaque carte mère, il faut aussi que vous vérifiez. Quand vous allez avoir une grosse configuration, plus vous allez avoir une grosse configuration, plus vous allez avoir besoin de brancher des ventilateurs additionnels que vous allez mettre dans votre boîtier. Donc des ventilateurs qui vont servir à faire circuler l'air dans votre boîtier. Alors sur celle-là, je crois bien qu'on n'y voit pas énorme. Je vais revenir sur celle-là, qu'on y verra peut-être mieux. Je vais essayer de la zoomer un peu. Alors, à regarder comme ça, c'est pas évident, hein, mais c'est... En général, c'est toujours des petits 3 pins, voilà. Donc, en fait, ça ressemble... C'est des 4 pins. Donc, c'est 4 baguettes, comme vous voyez là. 1, 2, 3, 4 baguettes. Et il y a tout le temps marqué fan en dessous, fan quelque chose. Donc, vous avez des fois CPU fan, vous avez système fan. Et après, vous avez, par exemple, fan 1, fan 2, fan 3. Donc, voilà. Ça, il faut que vous veilliez à en avoir le plus possible, ces choses-là. Des 4 pins comme ça, avec marqué fan en dessous. Parce que c'est là que vous allez brancher des ventilateurs complémentaires que vous allez rajouter pour refroidir votre configuration. Plus vous en avez, du coup, mieux c'est. Donc là, vous en avez un ici. On va aller voir est-ce qu'il y en a d'autres. Donc ça, c'est précisé sur les fiches techniques. Mais vous pouvez aussi le regarder à l'œil comme ça. CPU LED, donc ça c'est autre chose. Là, vous avez CPU fan, par exemple. Là, vous en avez un. Il n'est pas de la même couleur, mais il y a marqué CPU fan derrière. Et c'est bien un 4 pins. Donc ça, c'est celui-là qui sera chargé de votre processeur. CPU, c'est pour processeur. C'est là que vous devez brancher celui-là du processeur. Là, vous en avez encore un autre. CPU, je sais pas quoi. Mais c'est pas CPU fan. Donc c'est pas là que vous brancherez. Hein. Donc là, vous en avez encore un autre, un supplémentaire. Donc on en a déjà un, deux. Là, vous en avez un autre. Donc c'est 3. On les reconnaît bien à force. 3. Là, vous en avez encore 2 autres, si vous voyez. C'est parce que c'est une chaîne riche. Hein. C'est une chaîne qui... Qu'est-ce que j'ai, une chaîne? Une carte mère.
qui coûte cher. C'est pour ça que vous en avez autant. Sinon, il y a des fois, vous en avez un pour le CPU et un pour le boîtier, et basta, ça s'arrête là. Là, on est déjà rendu à 3 là-haut. 1, 2, 3, 4, 5, 6 avec celui-là, et ça m'étonnerait limite pas qu'il y en ait encore d'autres. Donc vous pouvez déjà brancher 5 ventilateurs additionnels en plus du ventirad du processeur. Et ça, vous verrez plus tard ce que c'est que le ventirad. Donc ça, c'est très important à voir aussi. Donc, où est-ce que c'était ? Un connecteur ventilateur, un connecteur ventilateur 4 broches, un connecteur ventilateur 3 broches. Donc là, en tout, vous pouvez brancher un ventilateur, deux ventilateurs, plus le CPU. Donc vous avez le ventirad. Excusez-moi. Il faut pas compter ça comme un ventilateur. Ça, c'est un truc qui est vraiment dédié. Je vous l'expliquerai après ce que c'est que le ventirad. C'est ce qui va refroidir votre processeur. Donc celui-là, on le compte pas dedans. Au-delà de ça, vous avez deux ventilateurs que vous pouvez additionner. Un ventilateur 4 broches, c'est un ventilateur qui sera PWM, donc qui s'adaptera à la chaleur d'un composant, alors qu'un ventilateur 3 broches, il tournera tout le temps à fond. Donc ça, c'est autre chose. Donc veillez à avoir le plus possible de connecteurs de ventilateurs. Veillez à avoir le plus possible de SATA, de connecteurs SATA, et si possible avec les dernières normes. Donc le SATA 3 qui correspond à 6 gigabits seconde, et non pas comme là le SATA 2, 3 gigabits seconde. Donc voilà. Ça on s'en fout, c'est pas très important pour tout le monde. Et donc les 4 broches. Ah oui, d'ailleurs je vous l'ai pas fait voir, mais sur celle-là, alors elle est où l'alimentation électrique du processeur? Ça va être en noir encore, ça probablement. Attends, j'ai du mal à la voir, je la vois pas. Est-ce qu'on peut la voir là-dessus? Ah, alors c'est où ça? Ah oui, ça doit être en noir. Ah, elle est là. Donc là vous avez le... On va couper un peu le son. Là vous avez l'alimentation qui sert à alimenter le processeur, donc c'est un petit 4 pins. Et sur des cartes très haut de gamme, enfin dès que ça commence à être normalement plus puissant, vous avez un 8 pins directement. Donc qui nécessitera d'avoir une alimentation 2 x 4 pins. Donc voilà. Alors donc du coup, pour faire simple, parce que là j'ai expliqué un peu tout en rentrant un peu dans les détails. Pour faire simple, il faut que votre carte mère déjà dispose du plus de connectiques possible, donc le plus de SATA, le plus de ports USB, le plus de capacité mémoire, le plus de slots, parce que des fois, là, bon là, il n'y en a qu'un, mais des fois, vous avez plusieurs grands, parce que c'est le PCI Express 2.0 16X, donc c'est là-dessus que vous branchez votre carte graphique. Si vous pouvez en avoir un autre ou deux qui sont à peu près similaires en termes de performance à celui-ci, quoi qu'en général, c'est des dérivés, c'est-à-dire que vous avez PCI Express 16X, et après, vous avez 2 x 8X, voire même 8X et 4X, pour brancher votre carte graphique, essayez d'en avoir toujours plusieurs pour pouvoir mettre d'autres cartes graphiques si plus tard vous voulez faire évoluer votre configuration. Donc pour choisir une carte mère, veillez à ce qu'elle soit évolutive, efficace. Donc efficace, là elle l'est, celle-là en l'occurrence, vous avez de quoi mettre de la mémoire très très performante, vous avez les dernières normes en termes de SATA, sur ce modèle-ci en tout cas, vous avez les dernières normes en termes d'USB en ayant de l'USB 3, enfin les dernières normes non, puisque c'est l'USB 3.1, mais disons que vous êtes vraiment performant quand même, vous n'êtes pas loin de la dernière norme. Veillez à avoir le plus de SATA possible pour brancher le plus de disques durs possible, lecteurs optiques, donc c'est les lecteurs CD aussi. Veillez à avoir le plus de possibilités de mettre des barrettes, donc là par exemple vous avez 4 slots, donc c'est très bien. Veillez à ce que votre carte mère prenne en compte le plus de processeurs possible et le plus performant possible. En fait, c'est veillez à avoir tout en si je puis dire, en plus en fait. Donc veillez à avoir, on va retourner dans l'autre, c'est plus simple quand même, même si elle régresse et que c'est pas le cas, c'est mieux pour la lecture. Donc veillez à ce que votre carte mère supporte bien votre processeur. Veillez à ce que le chipset soit assez récent. À ce qu'elle supporte les plus hautes fréquences possibles, ce qui là n'est pas le cas, mais veillez à ce qu'elle prenne, par exemple, si c'est privilégier 4 DIM plutôt que 2 DIM, donc 4 emplacements pour vos barrettes, et privilégier le fait qu'elle puisse aller à des fréquences supérieures à ce que vous avez là, de préférence. Ensuite, veillez à ce que votre internet, de préférence, dispose d'un slash 1000 derrière, donc ce qui s'appelle le gigabit Ethernet, pour pouvoir avoir des taux de transfert supérieurs à cette carte mère là. Donc privilégier le gigabit Ethernet. Slot d'extension, essayez de faire en sorte que vous ayez au moins un PCI Express 3.0 16X, avec de préférence la possibilité d'en avoir deux, voire des déclinaisons. Stockage, essayez d'avoir 4 SATA, enfin essayez d'avoir le plus de SATA possible, et si possible, en SATA 3, 6 gigabits à la seconde. Audio, essayez d'avoir la meilleure fourniture audio possible. Donc c'est décrit et vous pourrez aller chercher sur Google est-ce que le Realtek naninana vaut mieux que l'autre Realtek naninana en comparant par exemple deux cartes mères, et vous saurez ce que ça vaut. Je peux pas tout vous détailler, c'est trop compliqué. Veillez à avoir le plus de ports USB possible.
en essayant de faire en sorte que ces ports USB soient de la dernière norme, c'est-à-dire 3.1 ou 3.0 au minimum, quoi, pour vous, si vous voulez, d'en avoir au moins un minimum, quoi. Format, assurez-vous du format que vous choisissez de votre carte mère, parce que après, il faudra faire en sorte de prendre un boîtier en conséquence. Et si vous avez déjà un boîtier, faites en sorte que votre carte mère rentre dans votre boîtier. Donc voilà, veillez à ça. Et après, bon bah voilà, c'est veiller à la qualité. Donc essayez, privilégiez pas forcément de vous dire ah bah je vais prendre une carte mère qui vaut que 20 euros. Ça sert, ça, vous allez négliger la qualité. Privilégiez pas non plus de prendre une carte à 400 euros, ça sert à rien pour l'utilisation que les trois quarts des gens en font, c'est complètement inutile. Donc privilégiez une carte, je sais pas, moyenne gamme. Par exemple, moi ma carte à moi elle vaut 80 euros et elle fait très bien son boulot. Et 80 euros c'est relativement correct. Après, essayez de voir en sorte, donc vous le verrez, de toute façon, ça sera marqué des fois, par exemple, MSI a développé pour ses cartes mères, par exemple, une classe de qualité des composants et de solidité et de durabilité des composants. Cette classe-là, elle s'appelle la Military Class. Alors, je ne sais pas si sur celle-là, on va le voir, on va aller en chercher une autre pour vous faire voir rapidement. Hop là, non, juste dessus. Ah, merci, carte mère. Je vais juste vous faire voir. Hein. Donc, on va plutôt passer en Haswell, d'ailleurs, sera plus, à mon avis, on en trouvera mieux. Du moins cher au plus cher. Et chacun, il n'y a pas que Asus, il n'y a pas que MSI qui fait ça, il y en a d'autres aussi. Mais bon, je vais vous faire voir. Donc Military, bon, on prend une assez haut de gamme un peu. Je veux une MSI assez haut de gamme. Donc Create Edition par exemple. Donc voilà, on s'en fout. Donc là vous avez, alors là par exemple, pour vous montrer tout à l'heure, là vous avez la possibilité de mettre deux grosses cartes graphiques. Donc là ce coup-ci c'est vraiment encore, on passe à un stade au-dessus hein, en termes de cartes graphiques, vous êtes beaucoup plus puissant. Mais bon, c'est autre chose. Donc bon là ils vont marquer plein de trucs, est-ce qu'ils vont le marquer le Military Class? Non il ne le marque pas forcément. Non c'est dommage. Parce que je suis sûr qu'elle l'est. Je vais vous le faire voir directement sur Google dans ces cas-là. Donc voilà. On va aller chez eux, que j'aime pas non plus. Et vous allez voir. Parce qu'ils vont, ils vont le marquer là-dessus. Voilà, donc en fait ils ont créé ce qu'on appelle la Military Class. La Military Class, il y a le 1, 2, 3, 4 et ainsi de suite. Chez Asus, c'est, je sais plus comment ça s'appelle. Enfin, il y a un nom aussi, mais c'est pas exactement le même nom. Et en fait, ça garantit la qualité de fabrique, la qualité des composants, des condensateurs qu'ils ont soudés sur la carte mère, par exemple. Et ça vous garantit, c'est un gage de qualité en fait. C'est un gage de qualité qui vous permet de savoir que ce qu'ils vous ont mis dessus, c'est pas de la merde et que ça, et que c'est censé durer dans le temps extrêmement longtemps. Et là, voilà, la carte mère nanana, bénéficie des condensateurs solides de premier choix, vous garantissant stabilité, robustesse, toujours nanana. Donc Military Class, plus vous allez monter, par exemple Military Class 3, c'est très intéressant. Military Class 4 aussi. Donc voilà. Donc voilà, en fait c'est pour vous expliquer en fait certaines technologies qu'ils mettent au point et certains gages de qualité qu'ils mettent au point comme ça. Donc si jamais par exemple vous avez deux cartes mères et que vous hésitez, pareil, n'hésitez pas à privilégier celle qui aura par exemple le Military Class ou des choses comme ça. Donc ça c'est chez MSI, vous pourrez chercher à quoi équivaut la même chose chez Asus ou ailleurs, donc vous verrez. Donc ça voilà. Alors normalement, maintenant, avec ce qu'on a discuté, avec tout ce qu'on a pu voir ensemble, vous avez largement de quoi choisir votre carte mère. Vous savez qu'il faut essayer de faire en sorte d'avoir déjà le plus en termes de quantité possible de connectique, que ce soit pour l'USB, que ce soit pour le SATA, que ce soit pour les emplacements des RAM, que ce soit pour derrière, même pour là, pour les cartes graphiques, ça, vous savez qu'il vous en faut le plus possible. Et au-delà du fait qu'il vous en faut le plus possible, vous savez qu'il faut qu'il soit le plus performant possible. Et pour ça, il va vous falloir avoir des normes relativement récentes. On appelle ça des normes, hein, c'est comme ça, c'est pas moi. On appelle ça des normes. Donc il va vous falloir avoir pour celui-ci la norme la plus récente de mémoire PCI Express 3.0 16X. Pour les SATA, SATA 3 6 gigabits par seconde. Pour l'USB, l'USB 3.1 qui est la dernière norme. Et pour les mémoires, après ça c'est des fréquences. Et c'est du. Donc la dernière norme c'est de la DDR4. Là, enfin voilà, donc essayez d'avoir de la DDR4. Si vous voulez avoir la configuration ultime, essayez de mettre tout à fond, d'avoir tout à fond. Mais ça vous coûtera plus cher. Après, voilà, là c'est de la DDR3 avec des fréquences probablement inférieures à la DDR4.
Et donc voilà. Et veillez à ce que votre socket corresponde bien à votre processeur. Donc voilà, là on en est à la carte mère. C'était. Alors je sais que je suis revenu sur pas mal de choses. Je sais qu'il y a plusieurs choses que j'ai dit plein de fois, mais c'est vrai que c'est tellement complexe. Et encore pour vous donner une idée, je suis vraiment pas allé en profondeur. Je pourrais vraiment creuser plus profond et vraiment vous donner mal à la tête en rentrant dans des détails complètement dingues. Mais le but il est vraiment pas là. J'essaye de faire en sorte que ce soit fait pour les débutants. Simplement c'est une pièce maîtresse qui coordonne tellement de choses avec tellement de connectiques que je suis obligé de faire une vidéo qui soit aussi longue pour vraiment vous détailler et d'essayer de bien vous faire comprendre ce que j'essaie de vous faire comprendre tout simplement. Donc voilà, ne négligez pas aussi quand vous achetez une carte mère les dissipateurs thermiques. Essayez de faire en sorte d'avoir une toute votre carte mère chauffe, tous vos composants chauffe qu'il y a dessus. Donc essayez de faire en sorte, alors je dirais pas d'acheter forcément ça, mais vous voyez là en termes, déjà ça se voit dans la qualité. Le PCB, donc le PCB c'est la plaque. En fait, c'est la plaque de fond, en fait, c'est le fond, c'est ce que vous voyez là en noir. Là. Le PCB, là, déjà, il est de meilleure qualité. Il y a des épaisseurs supérieures par rapport à des PCB classiques. Il a été, même ça se voit dans l'esthétique, ils l'ont travaillé, tout ça, vous voyez que c'est pas fait de manière à la rigolade. Hop, quand vous allez voir sur celle-là, il est noir aussi. Oui, j'ai déjà perdu la page de l'autre. Alors, on va ouvrir dans un nouvel onglet. Je vais vous mettre n'importe, hein, on s'en fout. On va prendre la première qui nous tombe sous la main. Voilà la première. Là, vous voyez que le PCB, il est marron. Ça veut dire qu'ils ne sont plus cassés la tête. Il a moins de protection. Là-dessus, par exemple, vous avez certaines protections. Tout à l'heure, on voyait Humidity Protect. Enfin, je ne sais pas si c'est dans cette vidéo-là ou dans l'autre que j'ai fait avant. Vous avez certaines technologies, par exemple, certaines technologies qui... Il y a des cartes mères qui font couler de l'eau, un verre d'eau, sur leur carte mère en prouvant que ça fait pas de court-circuit, rien. Alors que là, vous faites ça là-dessus, un tout petit peu trop d'humidité, voire vous tenez la carte mère à la main en ayant les mains un peu humides, vous pouvez cramer votre carte mère, quoi. C'est assez dangereux. Donc voilà. Il faut quand même essayer de privilégier la qualité même de fabrication de la carte mère. Et comme vous le voyez là, il n'y a rien qui protège les phases d'alimentation et tout. Et il y a quasiment pas de dissipateur thermique, à part pour le chipset, mais maintenant c'est obligatoire, quoi. Même les cartes mères d'entrée de gamme comme celle-là qui était à un prix dérisoire, on peut aller voir, c'était 40 euros, c'est un des premiers prix, sinon le premier prix. Elle est déjà Military Class 4 quand même. Hein. Ah oui, donc non, ça régresse en fait. Military Class 4, c'est plus ça va vers le 1, meilleur c'est. J'ai dit des bêtises tout à l'heure. Donc voilà, vous voyez bien que ça manque de dissipateur thermique. Donc bon, après, c'est une carte qui est tellement peu efficace que de toute manière, elle chauffera pas vraiment. Mais voilà, essayez de privilégier, quand vous achetez une carte mère, d'avoir des dissipateurs thermiques comme là. Là, vous avez une dissipation des phases d'alimentation qui est assez exceptionnelle. Parce que ils ont mis des caloducs, ils ont mis des dissipateurs thermiques, ils n'ont pas négligé la qualité de fabrication des dissipateurs thermiques, ils en ont mis un aussi sur le chipset. Bon, après, au-delà du côté esthétique, il est quand même relativement efficace. Vous avez aussi la qualité de fabrication que vous voyez des condensateurs. Tous ces condensateurs-là, vous voyez qu'ils sont bien alignés, ils sont pas mis n'importe comment sur la carte mère, c'est relativement bien travaillé. Quand vous regardez, c'est fait de manière relativement propre. Regardez partout, c'est fait pas n'importe comment. Il y a des cartes mères, vous allez voir, c'est mis de travers dans n'importe quel sens, c'est pas aligné. Vous voyez même que la qualité même des condensateurs qui ont été choisis sont de moindre qualité. Donc ça, essayez de prendre tout cela en compte. En considérant qu'il n'y a pas de. Faut pas rêver non plus. Plus vous allez y mettre le prix, plus vous allez avoir un produit de qualité. Et ça, c'est pas négligeable. Donc voilà. Donc voilà, essayez d'avoir et le plus possible de quantité de tout. Et la qualité en plus. Voilà. Essayez d'avoir le plus de qualité possible. Si vous avez des questions, parce qu'il va sûrement y en avoir, vous pouvez tout à fait me rejoindre sur, comme je le disais l'autre fois, ma page publique dédiée à mes montages informatiques, à mon partage de l'univers informatique, qui est Lord E Prototype. Vous pouvez venir là-dessus, vous me posez des questions, je vous répondrai, il n'y a pas de problème. Vous pouvez aussi le faire sur ma chaîne YouTube, directement dans les commentaires de cette petite vidéo. C'est largement faisable aussi. Excusez-moi de ne plus avoir mis de musique à la fin, hein, j'ai préféré finir là-dessus. J'en suis désolé pour vous. Mais voilà, n'hésitez pas, que ce soit dans tous les domaines, à poser des questions. N'hésitez pas à lâcher aussi un petit like si la vidéo vous a plu. Un dislike si la vidéo ne vous a pas plu aussi, ça peut arriver. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si jamais ma chaîne vous plaît, parce que je fais pas que ça, hein, je fais aussi, vous le verrez, d'autres vidéos, surtout concernant les jeux vidéo de manière générale. Et donc voilà, au plaisir de vous retrouver la prochaine fois, prenez soin de vous, et après on va faire des choses qui sont plus simples, plus faciles d'accès, parce qu'il y aura moins à dire sur les composants futurs. Donc voilà, après on étudiera, je pense, la prochaine sera la carte graphique, je pense. On va vraiment travailler sur la carte graphique. Donc voilà.
prochain rendez-vous, chapitre carte graphique. Prenez soin de vous d'ici là. Comme je vous disais, petit like, petit commentaire et tout ça. Et à la prochaine, prenez soin de vous les amis. Salut.